Des confirmations, mais aussi des surprises dans cette première liste communiquée par Neveu, alors que le Gabon doit affronter les 10 et 15 octobre prochains les étalons de Bertrand Traoré et les Lions de l'Atlas. Si Pierre-Emerick Aubameyang, Mario Lemina, bien que blessé, l'œil de Paloun, Denis Bouanga ou encore Bruno Ekoulemanga font partie des sélectionnés, le nouveau coach des Panthères du Gabon a décidé de se passer des services de l'un des cadres de la tanière et non des moindres, Didier Ovoneban. Patrice Neveu évoque notamment des raisons sportives. Didier a le souci de vouloir rebondir dans un club. Il ne souhaite pas mettre fin à sa carrière internationale, je tiens à le préciser. Donc bien sûr que j'essaie de l'épauler pour qu'il puisse rebondir. Il a des engagements normalement de la part d'un club, mais il n'a pas signé, il n'a pas finalisé, donc il n'a pas d'entraînement, il n'a pas de compétition. Donc je l'ai prévenu hier, par respect et par logique, parce qu'il a lui aussi beaucoup donné au pays et on espère pouvoir le retrouver quand il sera en bonne forme. Concernant les cas d'indiscipline longtemps constatés en sélection nationale, Patrice Neveu a une idée arrêtée de la façon dont il travaillera avec son groupe. Moi, je ne veux pas rejeter la pierre sur mes prédécesseurs. Personnellement, en tout cas, si j'ai choisi le challenge du Gabon, c'est pour y inculquer et y mettre en place certaines méthodes par rapport à et pratiques de professionnels. Comme je le dis aussi, et encore une fois, on est une nation souveraine. L'équipe de France a des principes. Nous avons sensiblement les mêmes principes. Le sélectionneur national attend donc ses 23 joueurs pour une mise au vert afin de préparer au mieux ces deux rencontres qui donneront le ton avant la République démocratique du Congo pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2021.